Yonso, Ngaï Louis Kinshasa, de Konabino, dans Informer Éduquer pour Agir. Les lotos sont là, Makamba, contre-insurrection à Congo. L'ingétitre est Ali, contre-insurrection au Congo de 1960 à nos jours. Donc, ils ont, si je m'en remets à Kassi, contre-insurrection, ils ont mis au Sola, à Mopenzate, nous nous reconnaîtrons à Mote, donc, autobengi mouvement politique, mouvement, résistance, mouvement, et au bien à Onyosto. Et ça rare, au Yokabako, on les va vendre, balobi, mais pas sûr, et ça penanin. Congo, et ça, Nyokamo, pourquoi? Batbar Koufabo, et point nanin. Pauvreté, l'équipe m'a cassé, point nanin. Guerre ici, la raté, point nanin. Mais discussion, il y a contre-insurrection. Anglais, pas bien en anglais, counter-insurgency. On a souvent ce côté d'information sur Afghanistan, bah Yémen, on a un journaliste qui est insurrectionniste. Donc, on a un occident, tout et tout. Donc, il y a un terme qui est en Congo, en Congo, et ça, il y a un terme qui discuter en haut, te comprendre en haut, te maîtriser en haut, et te permettre de vivre, te comprendre vraiment dans mon sino, à quoi donc, nous avons affaire dans le Congo. Donc, c'est un peu dans le contexte. Voilà. Alors, avant qu'il y ait Obanda, donc, il y a côté déjà, il faut que ça va être tout, il faut que ça va parce que, il y a des camoufles à Motuya. Nalingi donc bagnyo suba ko Rolanda et puis donc soko yemba la moko donc like et hein donc like donc et ça prend donc à important alors tobanda le roi boso il faut toujours qu'on dans un contexte général il y a monde tous en haut les lots monde tous en haut les lots on peut comprendre ce qui se passe dans Congo et soko donc on a contexte général il y a situation mondiale. Mon but na kalazolo ba ye crise de zone ngweza crise moko international mais mon but de jamais expliquer biso ni niza o cause crise wana ya un peu biso to ça aller lo tant de zone ba contexte général il y a crise par exemple c'est belé le rôle boso de rôle ba ça que il faut reconnaître en haut biso ba congolais ki bato yo ba kambara mokilio yo ba tazo na capacité o kambango ndenga kalate ni bo ba na français. Les classes dirigeantes, hein, particulièrement en Occident, ne sont plus capables de diriger ce monde comme par le passé. Il y a dirigeant il y a Occident, il y a président des États-Unis, président il y a France, premier ministre d'Angleterre. Il y a une capacité, il y a une capacité de diriger le monde. Il y a une capacité de diriger le monde. Il y a une capacité de pour la Chine, il y a capacité en été. Pour la réussite, il y a Chine. Réussite, il y a Russie. Montée, il y a Turquie. Montée, il y a Iran. Montée, il y a Venezuela. Montée, il y a Bolivie. Les pays qui sont là, les gens 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 qui sont là. Ce qui fait que l'incapacité, les pays qui sont Angleterre, les pays qui sont États-Unis, il y a pour dominer Chine. Pendant qu'il y a dominer Chine, mais si va courir sur il y a un président chinois le bas qui que air il y a qu'on vouque bas chinois et sili muto a qu'on make up bas qu'on finit muto bas qu'on maquille autant ça mais ça c'est le président des bas chinois donc toi on a donc réussi ta Chine et nous le bas crise pour les États-Unis crise pour la France crise pour l'Allemagne crise pour l'Occident donc faut que nous maîtrisions bien alors ceux qui se cotent au tali à signe à crise, et c'est bien. Hein. Aussi, pays d'Angleterre. Angleterre. Pendant que nous avons Covid, déboursé déjà une affaire à plus de 345 milliards de livres. Donc, montant mourir en Sakanangote. Dans l'Union européenne, on parle de plus de 700 milliards d'euros. Oui, ça va bon, on va planifier quitter. Hein. Les États-Unis, on parle de plus de 1000 milliards. On a dit, billion, trillion, trillion. Dollars. Or,
avant crise à Covid, ba pays nyonsoana ezaki déjà na crise, ba déjà ba pays endetté. Dès dans ce go et au sukarabi. Ba comme ce ba pays ya ba comme langwa na na dette na nyongo, ni comme nyongo sans fin. Or, ils ont la conséquence nango. Ma comme ba dette wana ils ont la conséquence nango. Donc nyonsoana ezoko accentuer crise occident. États-Unis va battre président Obama. Tario Moro, na Maison Blanche, président Mutumwendo, signe à crise. Il a signé à crise à Makas. Ok, na, na Obama a longu battre Trump. Hein? Trump a eu Tario Moro. Trump na classe dirigeante américaine, parce que soit na Air News tout. Du jamais vu. Du jamais vu que président américain, il na Congrès, na, na Sénat, na, na classe dirigeante américaine, même na bata parti na bata républicain, parce que soit na. Tout le temps, tout le temps, manifestation à crise qui est bateau, comme par Mokili, basse la capacité de rediriger Mokili comme par le passé. Donc, crise généralisée, crise permanente. Il faut comprendre les Cambodges très bien. Alors, pour nous comprendre, si je n'ai pas allé, il y a contre-direction, tout le monde a une définition, moi, Moké. Tout le monde a une définition, Liboso. Où ils ont les grands sigos, il y a colonialisme. Hein? Domination étrangère d'une nation ou d'un peuple, fait ça, au détriment social, politique et économique de la nation ou du peuple dominé. Donc, sous un système colonial, et il y a une autre nation, ils ont dominé la nation Moussoussou, économiquement, politiquement, socialement. Il y a entre le Congo, ils ont un pays colonisé, Afrique, mais ils ont un continent colonisé, et il y a un salam à notre détriment. Et ça m'a au bénéfice, il y a bateau bateau dominé biso. Et en plus, pour ne pas comprendre le colonialisme, et ça, notion fondamentale, ben, colonialisme, notion fondamentale. Au début, qui est balobaga, il faut expliquer pourquoi biso est pauvre, pourquoi miné est riche. Il faut une explication. Explication, va pèse biso zani. Babi Mundela civilisé, Babi Yesu à Mwana Nzambe, Babi Mundela Azana à technologie, mais surtout comme civilisation. Alors que, et ça n'est pas ce que je veux dire, civilisé, ou que Mundela à Mwana Nzambe, c'est pas ça. Il faut expliquer comment est-ce que Mundela a commis un système capitaliste. Il faut expliquer en gros. Je suis un capitaux, c'est ça la question fondamentale. Tant que vous avez en Afrique, tant que vous avez Diego Cao, Europe, Occident, ils ont dit capitaliste. C'est-à-dire que vous avez dit que l'Occident, ils ont dit capitaliste, ils ont dit féodal. Féodal. Capitalisme, ils ont dit. Au moins, jamais dans ma écriture, Diego Cao, le combat capital, ils ont dit. Au capitalisme, ça n'existait pas. Europe, ils ont dit pauvre. Il y a un peu de temps en Afrique, qui est en Amérique, qui est pour que soit bon mingo, pour que soit capitaux. Donc, on a un peu de temps. Tant que vous avez un peu de 15e, 5e, le capitalisme est en Afrique, l'Europe est pauvre. Il y a un ordinateur, il y a une grande université, il y a une unité, il y a une balabale, il y a un pavement, il y a un hôpital, il y a un NHS, il y a un NHS, il y a une sécurité sociale, il y a une sécurité. Donc, il y a un système féodal. Donc, il y a un noble, il y a un serf. Le serf, il y a un paysan en esclavage. Il y a un bangote. Tout ce qui produit, il y a un bangote, il n'y a pas un noble, pas un aristocrate. Donc, le système, il y a un bangote. Alors, pour nous, c'est. Il faut expliquer comment est-ce que l'Europe est bimée dans la féodalité à cause du capitalisme. Il faut expliquer. Miracle européen, ils ont un secret. Secret qu'on dit, colonialisme. Dans les Congolais, ils ont compris que colonialisme est une catégorie économique qui a très grande importance. Si vous comprenez colonialisme, vous comprenez tout. Donc, domination étrangère d'une nation ou d'un peuple. Au détriment social, politique et économique de la nation ou du peuple dominé. Donc, ce qui est Belgique a été dans le Congo, c'est au détriment du Congo pour le développement de la Belgique. Ce qui est en Angleterre, c'est pour le développement de l'Angleterre au détriment du Ghana. Ce qui est en Amérique,
en Amérique, c'est au détriment de mon colomabélé à États-Unis. Développement des États-Unis, c'est au détriment des Indiens d'Amérique, ou bien sûr au détriment de Batumindus. Connexion, c'est ça. Donc, vol, il y a ma belle, vol, il y a labeur, il y a moussala, il y a pas noir pendant plus de 4 siècles. Mon dieu, la foutu, il y a un loyer, mon côté, pas mon colomboka. Tourner et constituer capital. Mon dieu, la zagine en côté. Donc, c'est le vol, il y a richesse à Batumindus et constituer capital. Ou bien en anglais, start-up. Pour le capitalisme, il faut coloniser. Dans les gens qui accompagnent très bien. Si vous colonisez, on a capital. Tu n'auras pas assez de capitaux. Bon, tout ce qu'on a expliqué dans l'université de Bangouana. Point de départ, c'est la colonisation comme mode économique, mode de production économique où il créera. Alors, il y a un slide de bosso colonialisme. Les Congolais ne comprennent pas. Colonialisme, il y a une catégorie économique qui est ma cassie, qui m'a dit à boy colonialisme et koufa. Alors, tout ce qui est dans cela, il a dit néocolonialisme, domination étrangère et impérialiste d'une nation et d'un peuple, de manière indirecte, par le contrôle de l'économie et du système social, en utilisant un ou plusieurs membres de la nation ou du peuple dominé comme administrateur. Donc, on est là, on est dit colonialisme, je suis ma société, Batumindu, Balamouki, Batimbélié, Barab batimbélié, ba Vietnamien batimbélié, ba d'Amérique latine batimbélié, monde entier timbélié, monde là bien bateau ba colonisateur, ba hier pour ba yuba, pour mieux en abysso comme ça, ba sur ba capitaux, ba on est ba don, on va créer capitalisme. Par capitalisme ceux qui colonisent ici ma pété, au moment là, capitalisme ceux qui sont dans la colonie aussi ma pété. Donc comme tout timbélié bango et tout mais comme il partout Congo, Lumumba, Ghana, Kwame Nkrumah, Cuba, ba Castro. Dans les États-Unis, bah, Malcolm X, bah, Martin Luther King, dans Vietnam, bah, Ho Chi Minh, monde Ningani, dans les années 50-60, wana. Guerre d'Algérie, donc monde prenait donc Chine sans révolution, kafou kafou. Donc on appelait donc nous nous partout. Mais européen, bah, bien colonialisme direct, si ma société, si on fait ça, le colonialisme indirect. Ils en ont dit, ils ont en a balé, bah, défenseur, bah, entouré, yo. Pourquoi vous avez été au pays, on a coéquipé, on a massé. Donc, si vous êtes occidentaux, vous avez une administration, vous avez une administration, vous avez d'accord. Il y a un néocolonialisme, comme vous avez dit, un système à Sika. Colonialisme, un dengue à Sika. Colonialisme, un dengue à Sika. Domination des nations, un dengue à Sika. Il y a un dengue en Afrique, il y a un néocolonialisme, il y a un dengue en Afrique. Il y a en Afrique qui sont matatés, donc ils ont une colonie. Mais si on est administrateur, on est en Angaï, on est à Foufou, Pondou, Foumoua, Matembele, on est à Mounorondengue, Lingala facile, Kikongo facile, Chiluba facile, Kimongo facile. Donc, Moutunayo, Bissouna Bango Tokokani, toi son nez monté, Moundela Zagina Bissou Tokokani, ah, on est Moundeli, donc c'est clair, il y a un Moundeli, il y a un Moundeli, mais si on est Moutazo, Nyongwayo, Alubara, Nitiyo. Bina apega netio, ayoko la même musique netika ayo et créer confusion. Siko olio oloba bokisante ba nyonga biso. Yo siko comment oloba l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Ou comme siko go répéter ba phrase asika, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Osomo na susu mundele de mon bossa nike système oyo, ya système de domination des nations. Ya, nation dominante na nation dominée. Yo somo na susu nation dominante. Donc on les a camouflage du colonialisme. Alors, autodétermination, hein, l'étape politique de la lutte de libération africaine dans laquelle le colonialisme et le néocolonialisme ont été renversés, où les forces démocratiques de la communauté internationale africaine se sont emparées du pouvoir de l'État. Donc, pour le bateau libre, et nous avons fait une autodétermination. Nous avons décidé tout. Mais pour décider tout, il faut colonialisme dans la forme directe, puis dans la forme indirecte et libre. Or, pays modèle en Afrique, pays modèle à Batumindu, ils ont acquis Pwanza. Chaque pays africain est dominé par la multinationale, la puissance internationale. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la Chine, tout et tout. L'Afrique, nous avons été. Nous avons donc autodétermination, donc ils pointent des aides. Donc, tant que nous avons élection,
qui n'a pas d'élection tant qu'il va coloniser. Donc c'est un grand problème. Il y a qui pointent, ça a été, mais aucune élection. Mais à temps où vous avez voté, non, et vous comptez, tant, pas vote, non, et compter, il faut que ça ait été, qui pointent, ça a été, Chine. Ce qui va chiner, va voter. Mouto va chiner, va voter. Yendar, c'est la président, parce que Mouto Morote, à quoi qu'il n'est pas chinois, a imposé, à Zaté. Donc, au Bachino va voter, il y a un monde à Koleka. Or, si on a commencé à dire, comme qui pointe dans la vie, c'est indirect, donc il faut qu'il pointe, pour voter à 100%, à 80%, décision sur les gens qui sont en bon bateau, il va voter l'option Congo. Bateau va voter l'option Afrique. Bango, on va décider de la vie. Donc, on a dit que les Congolais, va comprendre, ils comprennent très bien. Il y a un autre qui est, et tout, il y a autodétermination. Si nous sommes en Afrique, si nous sommes en Congo, ah, donc l'indépendance est un mythe dans le Congo. Ils en ont alors, nous avons un point sous l'État. Dans les gens qui congolais, tout le monde a discuté. C'est un terme, mais il faut maîtriser. Quand on a une explication un peu, on entend en français des tours. Quand on a un monde de la paix, l'État. Donc, il faut comprendre le colonialisme. Il faut comprendre le néocolonialisme, il faut comprendre l'autodétermination. Il y a un autre peu de définition. Il faut travailler avec des définitions. Tu peux choper l'État, tu le bénis. Un appareil de répression. Non, l'État, ça va en apprendre un appareil de répression qui ne marche que dans les sociétés divisées en classes. Et dont le but de l'existence est de protéger les systèmes sociaux existants par les recours à la coercition. L'État na Congo, l'État na Cameroun, l'État na Angleterre, l'État des États-Unis, ils ont pour protéger le système social. Or, tout le monde ignore. Qu'est-ce qu'on a au Congo? On a ce qu'on appelle le néocolonialisme. Na kalata ngamba mindé tout ça qui na colonialisme. Chikota ngamba tout mundu tout ça na néocolonialisme. Donc l'État c'est pour protéger ces systèmes-là. L'État au Congo n'est pas là pour protéger le peuple, non. L'État n'a pas pu protéger le système. Voilà. Contre qui? Contre le peuple. Là où il y a l'État, il doit y avoir répression. Alors, question se poser ça. Nanine akonyongama. Répression, mon ami. Donc, répression, Zali. L'État, nature à l'État, c'est réprimer. Konyonga. Mais la question, pas konyonga nani. Pas réprimer nani. Donc, on a l'État, c'est pour réprimer le peuple. Qui est le peuple? Les travailleurs, bah, paysans, les gens ordinaires. Mais le problème, c'est que dans le Congo, comme on n'a pas une économie indépendante, l'Afrique Mouimba, Mouto a un pouvoir à se contrôler à l'État, à la tendance, paix. De temps en temps, il y a un masse de naïe. C'est-à-dire, bah, concurrent naïe, bateau, bah, rose, place naïe. Au moment là, mais ça, confusion, c'est que, parce que bah, on a la présence de bah, concurrent naïe, que l'État là c'est pour tout le monde, non. L'État dans le Congo c'est l'État au service de l'ordre social en place. Donc la forme que prend l'État est différente selon les types de système social. L'armée, la police, les tribunaux et les prisons font tous partie de l'appareil d'État. Aux autres, sur le bilan d'État, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont la tribunaux, ils ont la prison. Hein? Prison, police, toi là, se faire partie à l'État. Aux autres, donc, dans l'État où on a, dans le Congo, il y a colonisateur, ceux qui pillent les matières premières au Congo, il y a prison. Ceux qui commettent des crimes de sang dans le Congo, il y a prison. Pourquoi? Parce que c'est leur État. L'État n'est pas à Bango. Pourquoi? Pour maintenir Congo à sa place, c'est-à-dire Congo est produit bon mengo. Pas pour nous, mais pour le système international social où ils en ont. Autobénéamo capitalisme. Le Congo est là pour produire des matières premières, pas pour nous, mais pour le système social en place. Système comme dans Onini, capitalisme. Capitalisme est quoi fonctionnalité sans la colonie. Et je répète, Bande Konangaï, vous avez madame, vous aurez colonité comme, et l'homme au marginal, et l'homme au Mdile Baye, malgré Bango, Baye va se lever. Non, non, non. Colonies à point de départ. S'il n'y a pas de colonies, il n'y a pas de capitalisme. Makamo na ebisayo, au moins on a livré terre, enseignant à l'école ou qu'on a raté, non, non. Oeza enseignement révolutionnaire. Oeza va
années des années de lutte c'est bas révolutionnaire africain bas ça il y a un moment à se partager la vie non et particulièrement au bout d'une autobengi parti socialiste du peuple africain il y a chairman normal ici donc ma théorie voilà il y a un moment dans une à partager la vie non donc l'état dans le Congo il y a un état mais c'est pas l'état du peuple bas travailleurs bas dans l'état bas paysans n'ont pas l'état mais autobengi classe petite bourgeoise l'état n'est pas bango Auto Bengi, ba Pierre Congo, l'État n'est bango, les compagnies de Glencore, ah, ba grande compagnie ou la capitaliste ou l'État n'est bango, c'est pour les protéger contre le peuple. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, awa, tu es dans insurrection. Il y a un peu de liés directement à titre à l'élo. Insurrection, une lutte de libération qui a atteint un niveau de développement qui menace le système social existant. Bandit encore. Insurrection, une lutte de libération qui a atteint un niveau de développement qui menace le système social existant. Et nous avons dit, peuple a bandit qu'on s'organise, a bandit qu'on se mobilise. Autour, il y a l'organisation, il y a libération nationale, autour, il y a personnalité, il y a libération nationale, et que l'efficacité à lutte d'abord est comme qu'on menace le système colonial. Donc, pour un colonisateur, Bino, comme insurrectionniste. On va bien en anglais, insurgent. Donc, à partir du moment là, Chico Bozo menacé système de Bango, il ne faut pas répondre. Neti, aujourd'hui, indépendance, il y a Bongo, Moudini le Bumba, Pona Bango, Aza, insurrectionniste. Simon Kimbango, insurrectionniste. Ah, révolte de Bapende, chef Yongo, insurrectionniste. Ah, lutte syndicale, il y a des Congolais qui ont réprimé dans le sang à 41 dans le Lubumbashi avec un syndicaliste Léonard Ampoy, qui est insurrectionniste. La révolte des Batete, là, il y a plus d'un siècle, sur le Congo, il y a des Congolais qui ont révolté contre l'officier de Bango. Il y a des insurrectionnistes. Pourquoi? Ils ont menacé l'ordre colonial en place. Donc, réponse, Babayango Sikoyo, contre-insurrection, un moyen de réprimer la lutte révolutionnaire en utilisant toutes les formes de répression, y compris les tactiques économiques, politiques, psychologiques et militaires. On a répété, hein? Contre-insurrection, un moyen de réprimer la lutte révolutionnaire en utilisant toutes les formes de répression, y compris les tactiques économiques, politiques, psychologique et militaire. Donc, au Golbaké, contre l'insurrection, ils ont réponse militaire. Ils ont planifié par les généraux, dans le quartier généraux, il y a un militaire. Ils ont réponse mot spontanéité. Ils ont réponse mot bien pensé, travailler en mot. Comment est-ce que pour maintenir statu quo? Comment est-ce que pour maintenir Congo à sa place des colonies? Comment est-ce que pour maintenir les Congolais à leur place des colonisés? Comment est-ce que pour maintenir les Africains à leur place des colonisés? Donc, fouer la Bango contre-insurrection. Je répète, hein, contre-insurrection, tous les moyens sont permis. Alors que la convention la Bango internationale, hein, la règle du jeu, que voilà, Oyoko Salamo contre Mundialité, hein, ils sont quand même prisonniers de guerre, il faut respecter la norme internationale. Non, la contre-insurrection, il n'y a pas de normes à respecter. Tout est autorisé. Hein, tout est autorisé. Dans l'Ipna Congolais, il y a bien. Contre-insurrection, tout est permis. Contre les colonisés. Parce qu'ils colonisaient à la chosifier. Et qu'ils colonisaient, il ne faut pas amenacer ordre social existant. Ordre social existant, et c'est africain à coloniser. Et c'est congolais à la coloniser. C'est-à-dire, nous devons produire, pas pour nous, mais pour les autres, à notre détriment, contre nous-mêmes. Alors qu'avant, logement, bisemoro, on s'en. Hein, vous savez que s'occuper d'un mot, colia, bismore, vous savez que s'occuper d'un mot, éducation, bismoto salamo, tout, bismoto salamo, tout ça dit en charge de nos vies, bismoro, tout ça est commis en charge. Mais avec la colonisation, comme c'est bien dépendant, au lingindako, il faut qu'il n'y ait pas colonisateur, au lingolia, colonisateur, au lingosamoussala, colonisateur, au lingo réussir na vie, colonisateur. C'est un Congolais avant les lots. Tout, il faut passer par les colonisateurs, il faut passer par les oppresseurs, il faut passer par les occupants.
tout qu'on l'a sous liberté. Au moment là. Donc ça c'est important que lutte ne puisse lutte pendant te reprendre qui pointe un abisso, te reprendre ma belle abisso, te reprendre droit un abisso, il y a au contrôler fin abisso, il y a au planifier fin abisso. C'est-à-dire te contrôler destin abisso. Au contre direction, et ça pas n'a pas empêché de reprendre destin à en main. Au moment là. Donc est-ce que de comme si yango wana. Alors tout à la film ngoko hein et puis ça vient un exemple il y a contre injurection. Na Congo. Juste après l'indépendance. Ah, par exemple, c'est bien mélangé. Exemple, yo, bah, comme les Batelemi, tout forcer ma belge, dans le 4 janvier 59, et puis dans l'élection, de voter Kuruma Yalumumba, ma belge, ma boyaou, ma engagé contre insurrection, bah, ça dit coup d'État, autre bien coup d'État, ils a contre insurrection. Ah, donc, ma bomi Lumumba, ils a contre insurrection. Ba imposer, ba ennemi Lumumba dans le pouvoir, ba tchombe, ba mobutu, ba kassavou, ou n'y a tout on appelle ça contre-insurrection. On va poser système à néocolonialisme. On appelle ça contre-insurrection. Au moment là. Et puis, si vous voulez la haie, il faut tomber et continuer. Bah, non. Vous voulez chef insurrectionniste. Il faut qu'on crase en haut. Donc, bah, appliquer contre-insurrection. Film de Rotala Yangwana. Rotala contre-insurrection Nakuilo. Alors, film pour la wana, ils en a santé, hein? Bah, ça y est, on est donc, alors, faut comprendre le contexte. Contexte, c'est que, moulé, il arrive, à l'obligé, non, indépendance, bah, il y a on va confisquer en haut. Bah, confisquer en année, la petite bourgeoisie congolaise a confisqué indépendance, pas indépendance, c'est pas en avant. C'est-à-dire que, administration coloniale et commune, ma boga, bah, africain, bah, congolais, peuple, n'a rien. Faut que le peuple attire à la place. On ne veut pas que le peuple bouge. On me dit là, non, on doit s'organiser pour l'indépendance et il n'y a pas un peuple. Et si quelqu'un a ma boca, il va péter bouger comme on l'était. Ma boca va évoluer comme on l'était. Donc, le moulin de Sikoyo a commis insurrectionniste dans le concept occidental. Alors, Sikoyo, il faut pas réprimer le mouvement moulin. Or, moulin, la zone représente Sikoyo, le peuple à ce moment-là. Donc, il faut Sikoyo pas forcer le peuple. Andima statico, c'est-à-dire andima néocolonialisme. Pour le peuple andima néocolonialisme, il faut imposer violence. Il faut imposer violence, il faut casser l'esprit de la résistance. Autre monde, on a fini, moi, c'est ça. Contre-insurrection. Il faut casser l'esprit de la résistance. Il faut casser la volonté du peuple, il faut se battre. Ben, il va convaincre que ce n'est pas la peine de résister. Si vous résistez, vous soukanez une mumba, tu vas mourir. Et c'est ce que la police et ça la panne abisso. Parce que l'armée Oana, l'armée nationale congolaise Oana, il y a Mobutu, et ça, armée, il y a contre-insurrection, pour se rappeler force publique. Il y a une continuité et créer l'armée nationale congolaise. Bah, créer l'armée Oana pour bien en avoir Belge. Les Belges ont créé l'armée, la force publique, pour et accompagner colonisation, pour et asseoir colonisation, pour et faciliter colonisation, c'est-à-dire piège à Congo. Donc, bah, soldat Oana, basa formé n'ingwana, basa formé pour protéger le peuple, basa formé pendant l'union à peuple, c'est qu'on voit. Donc, alors, pour pas briser moulé, pas casser mouvement, il faut qu'on terrorise la population. Et ça, c'est une des images pour ce monde. Ah, donc, les Congolais, ils sont conscients que pas ces gens dans le Congo, ils ont
pasia lelo isalamana beni isalamana ituri isalamana kasai isalamana katanga isalamana tout le jour na Congo. Il faut qu'on maintenir le peuple na place na isalamana Kinshasa ba benyongo harassement hein? Donc il faut qu'on nyonga peuple, il faut qu'on tire les dos contre le mur, il faut faire de sorte que le peuple passe à tenter à réfléchir à plus loin parce que pas c'est qui. Et c'est ce qui se passe en Angola. Donc contre insurrection, on a besoin un exemple à contre insurrection et en plus bah l'unité que la population en a collaboré dans Moulele, bah c'est ce que on collaborer dans Moulele, on va égalité les années. Toujours assisté dans la lutte entre le passé et le futur. Colonialisme, na néocolonialisme, c'est le passé. Peuple en aucun cas. Si à l'esclavage, futur ça m'a pourquoi bah esclavagiste, bah on ne va profiter de l'esclavage. Donc sous-colonisation ou bien sous néocolonialisme, futur, c'est-à-dire que avantage, ça m'a beaucoup, il y a des colonisateurs, des collaborateurs, des Congolais. C'est eux qui profitent, il y a néocolonialisme. Le peuple ne profite pas. Peuple, pas qu'on a futur, pas à récupérer futur, il faut à se poser dans le néocolonialisme. Et on les a combats entre le futur et le passé. Le futur, c'est dans la révolution. Révolution, néocolonialisme. Donc, l'image de Zomona, c'est ça. Dans mon rabat, l'image, il y a horreur, il y a Kivu, il y a Ituri, c'est ça, c'est la contre-insurrection. Il y a Rwanda, Ouganda, etc. On a complice dans la FRDC, on a complice dans la MONUSCO. Bangotou, il représente la contre-insurrection dans le Congo. Campagne, tout le monde congolais, Baba nous va accéder à la théorie, il y a libération nationale. Baba nous comprendre comment est-ce que contre-injurection. Contre-injurection, tu l'as dit, et tu as un moyen belé, hein, répression militaire, tactique économique, tactique psychologique, mais tout en a. Tout est à tout et on a tous les moyens. Hein, par exemple. Zaboulo. On est la guerre psychologique. Que ba ki mundele azamo na nzambe. Et ça guerre psychologique. Que ba ki mundele a élipse civilisation. Et ça guerre psychologique. Hein, que ba ki mundele azamo na nzambe. Yo somo na nzambe, ça guerre psychologique. Parce que yo okobunisa nzambe été. Ce qui nzambe azamo mundele okobunisa ngeni. Ça guerre psychologique. Osomo. Donc on les aspects wana. Et ça na guerre psychologique. Donc contre direction ça va aspect belé. Et ça na forme à guerre biochimique. Ba sida. Et ça va guerre biochimique. Ça dit que mort élipse au sida ou non. Et ça va bien planifié. Hein? Pour faire quoi? Pendant quoi? Imposer statu quo. C'est-à-dire que au lieu congolais, au lieu africain, à réfléchir, à planifier lutte 5, 10, 15 ans, non. Congolais, bah, tiens, c'est de ce moment qu'il ne peut que penser le présent, le maintenant. Le Congolais est dans le moment. Alors que Benjamin Nae, ils sont dans le futur, ils planifient 1 an, 2 ans, 5, 10 ans. Mais comme les Siko, passe l'équipe, il ne peut pas planifier dans 5, 10 ans. Il y a seulement l'alia l'élo, alors l'alia n'ingéni l'élo. Donc contre-insurrection, c'est ça. Créer par condition que le peuple soit malade. Tout le monde est malade. On a RT, on a une autre capacité pour penser dans le combat. Maïa Pompi, traitant en côté. Tout le monde est contre. Insurrection. Bah ma titi ya solo. Bah foule partout dans le quartier. Écrive maladie. Toi les arts contre insurrection. Et ça va bloquer hasardé. Et ça va travaux de laboratoire. Comment qu'on maintenir le peuple aux Bangaye. Vous imaginez 14 millions de Congolais bah se réveiller dans 59. Bah faire trembler Mokili Mobimba. Le 30 juin c'était ça. Bah bangi qui va coloniser le bas leader Mongo à comme ma bon musica, ça a fait peur. Donc nos occidentaux, bah une réponse nini, il faut qu'on empêche Congolais ont un esprit à 59, faut qu'on empêche Congolais de misabal mumebele, Mokota mebele, faut qu'on empêche ça. On empêche ça comment? Oui, le mot guerre sans fin, guerre de terreur sans fin. Il y a onze mois na Kivu, na Ituri, tout ça. Donc ça. Contrôle des populations. Contre-insurrection, c'est ça, contrôle des populations. Pourquoi faut contrôler les populations dans le Congo?
parce qu'il faut contrôler par Bomengo qui t'a avec on faut contrôler beaucoup contrôler Bomengo Congote ce qui vous contrôler Congolaité c'est-à-dire si vous contrôlez Bongo Naïté si vous contrôlez Bongo Congolaité beaucoup contrôler Mboka Naïté Congolais face à la convaincu que ennemi naé né ami naé yoana c'est-à-dire l'Occident c'est nos partenaires. Le rôle de dirigeant à Congo, c'est convaincre la population qu'ennemi Nabisso, c'est lui qui nous pille, c'est lui qui nous impose les guerres, c'est lui qui nous impose l'occupation, c'est lui qui nous impose la trahison, on est à Amin Nabisso. Et on nous a amené Mike Hammer, président des États-Unis, grand chef, il y a contre-insurrection. Parce que nous sommes contre-insurrection américaine, il y a eu Bomi Kadhafi, il y a eu Bomi Lumumba, il y a eu Kwame Nkrumah, il y a eu Che Guevara. Contre-insurrection américaine, il y a eu Afghanistan, il y a eu Yémen, il y a eu contre insurrection américaine et ça na Iran hein, blocage économique et ça guerre si va bloquer une économique mais embargo contre Venezuela et ça guerre économique au guerre économique c'est contre insurrection c'est à dire que et ça va tactique militaire utilisée contre les pays colonisés qui veulent s'émanciper neti Venezuela aboyi kibouumbu babi non fauti kana kibouumbu on vous fait la guerre guerre économique. Ben y a donc sanctions. Évidemment, le président américain qui a été invité à l'OBI, voilà, moi je fais la guerre contre le Venezuela. Ah ben non. Ah ben le Venezuela, il y a un dictateur. Mais vous imaginez, États-Unis, ils ont une nation dominée à l'intérieur des États-Unis. Les Africains, noirs des États-Unis, une affaire à 50 millions. C'est une nation africaine, pas en Afrique, mais aux États-Unis. Mais c'est une nation en prison. Noirs, ce ne sont pas les Américains, c'est les Africains. Américains, ils ont des mines, des colonisateurs. Vous voyez, au sein des Mexicains, cinq États États-Unis, Mexique, Utah, Californie, Texas, c'est des terres volées aux Mexicains. Et que les Mexicains qui sont chez eux, ils sont traités comme des immigrés ou des immigrants. Donc, police tout le temps pour harceler les gens. C'est la contre-insurrection. C'est la contre-insurrection. Aux hommes, yo africains, au Tiki Afrique, aux hommes, sans même yéba, un immigré africain, un immigré congolais qui vit en Belgique, sans que congolais yéba aille en Belgique, pourquoi? Il pense que aille parce que aza réfugié politique, aille Senga Kingunda, il pense que aille on aille l'Ukrafi. Non. Le congolais est en Belgique parce que la Belgique a pillé, volé le Congo. Le congolais ne fait que suivre son argent. Maïbité, il n'est pas conscient de ça. Pourquoi? C'est la contre-insurrection. Contre-insurrection, c'est quoi? Et ça forme une guerre psychologique aussi. On vous donne des fausses définitions sur vos réalités. Babi, qui veut qu'on ait les alikisi. Bah, martelé, moutou, n'ayo, qui veut qu'on ait les alikisi. Mais Picasso a un musée de l'homme en France. A mon libre, il y a un africain. Voilà ce que je cherchais. Un musée coquille, même si Picasso, les grands peintres, artistes, sculpteurs, tout ça, Picasso a beau écouter un musée, il a trouvé, on a dit qu'il y a un Afrique, il y a un Tchokwe, enfin, quelque part dans le Congo, a beaucoup bien. Lilo Picasso, c'est un des grands artistes dans le monde occidental. Aux hommes, pourquoi? Parce qu'il y a un Kissi, il y a un art, mais mon Dieu, c'est sûr que non, il y a un Kissi. Qui va fuguer, boba rango, on dit là, tchon de ma musée et tout et tout. En somme, tout on les a contre insurrection. Contre insurrection, c'est tout faire, convaincre l'Africain, convaincre le Congolais, le problème, c'est lui. Convaincre que le pays n'aille, problème non, c'est ni démocratie. En somme, alors qu'en réalité, le problème, c'est ni colonialisme. Le lorsque tout ça n'a proxy néocolonialisme. Guerre par procuration. Colonialisme par procuration. Et à la tête des occidentaux. Donc, dans la guerre, il y a contre-insurrection. Les colons font tout pour les Congolais à l'ennemi. C'est absolument fondamental. Alors que dans les années 60, c'était clair. L'ennemi, c'était les colons. Et les colons étaient blancs. Si ce n'est plus le cas, les colons se cachent. À ce visage, il y a Moutoumouinou. À ce visage, il y a la tribune Abisso. Quand ça lui arrange, on doit à tribaliser conflit. Comme ça, quand on pense que le problème, c'est telle tribu. Alors que
bah impérialiste va bah instrumentaliser juste tribu Moko. Ils l'ont fait depuis 60 et ils continuent à le faire aujourd'hui. Voilà. Donc contre-direction, donc c'est ça. Bon, dans ça, par définition, sous ça, capitalisme, etc. Bourgeoisie, mais je ne pense pas qu'il ait utilisé Union Soyo. Mais Nico Ibarra que. Et ça, c'est important. Naïe Batumi, Messaïna, Moussaoua Salaté, il y a la définition, etc. Tolinga travaille dans le sujet, travaille moro scientifique. Tolinga, Congolais ordinaire, à maîtriser histoire, il y a un système où et comme si on est esclave. Il faut comprendre les Congos, il faut comprendre l'Afrique, il faut comprendre le monde, il faut comprendre les États-Unis, il faut comprendre la Chine, il faut comprendre le monde dans sa totalité. Ce qu'on comprend en haut, ce qu'on comprend le Congo par rapport à la totalité. Et fort au salaire. Donc, je répète, pour comprendre le capitalisme, et ça justement, système Moko, il y a domination des Européens, hein, comme c'est écrit dans le slide, le système capitaliste a vu le jour en tant que système de puissance blanche. C'est-à-dire que avant le capitalisme, le terme blanc ne s'appliquait pas aux blancs. Personne n'appelait le blanc blanc. Personne. Pas bien avant chrétien. Personne n'a bien emmené le blanc. Donc c'est un terme qui est apparu avec le système capitaliste. Donc, le système a vu le jour en tant que système de puissance blanche, parasitaire, mondial. Il faut comprendre qu'il y a système parasitaire. Là où il y a les capitalismes, il y a un peuple qui est parasité. Soko yoki, économie écologique, et il y a les Congo parasités. Parce qu'on a besoin de cobalt, comme un exemple, on a besoin de lithium. Donc, peuple qui produit cobalt, lithium, on a parasité. Oyoki succès à portable, mobile phone, bah laptop, et il y a un peuple qui est parasité. L'Afrique est parasité. Les Lois à Congo, l'Obi Gros à la Guinée, mais l'Afrique est parasité. Oyoki, révolution industrielle en Angleterre, l'Afrique entière a été parasitée. Hein? L'Africain produit le coton gratuitement. Hein? Bah, bon, bien africain, on a vieux des femmes pendant des siècles et des siècles. Donc, ce que je dis capitalisme, il faut comprendre un mot très bien. Et fonctionnera dans un mode de production clair. Confucius, c'est quoi? Confucius, c'est ce qui est dans la classe, c'est un système de patrons et des ouvriers en Europe. Non, non, non. On est dans un niveau de transformation. Mais point de départ, dans ça entre le travailleur et le patron en Europe. Le point de départ, c'est le colonialisme. J'espère que vous allez comprendre, parce que vous très bien. Soko yoki grève en France, yoki grève en Allemagne, il va travailler allemand, va travailler français, bazo bundisa va patron là-bas, on peut partager bien. Partager bien quoi? Le produit na industriel, mais base dans les années. Le monde colonial. C'est-à-dire que le niveau transformé, base dans le fondation, c'est en Afrique. Parce que le pétrole est volé en Afrique, bien dans le pays Moussous. C'est comme nous sommes en Rwanda. Donc, toute lutte sociale n'est pas. Tout gain social en Europe, bonne université, bah match de football, bah match psycho, lobby tout et tout, tout en a. Et dans la fondation. C'est quoi la fondation? Colonisation de l'Afrique. Dans les lignes africains comprennent très bien, congolais comprennent bien. Tout succès, tout rêve en États-Unis, tout rêve dans le Canada, tout rêve. Hein? Rêve nyonso, il y a un capitaliste, il y a un pays nyonso. Et ça n'a point de départ. C'est quoi le point de départ? Domination coloniale de l'Afrique. Et le Congo est la pièce angulaire d'un système de domination coloniale africaine. Message dans la moine. Donc, ce que vous décidez de se battre, bah, il y a une réponse pour empêcher de menacer le système de domination. Contre-insurrection. Contre-insurrection, peu importe. Même quand tu ne te bats pas, hein, quand tu n'es pas en lutte, la contre-insurrection s'applique. Ebola, contre-insurrection. Supunatolo, contre-insurrection. Les morts à la présidence na Congo. You can say, et ça va par hasard? Non, et ça va par hasard. Hein? Et c'est ça. Par hasard, ils ont raté le système colonialiste. Il n'y a pas de par hasard. Nombre de morts au Congo, incroyable. Soudainement. Parce que contre-insurrection, ils ont en marche dans le Congo, ils ont la présidence, ils ont l'école,
ils ont la télé, c'est partout. Ils ont la régie des eaux, ils ont partout. Donc, Congolais, c'est quoi? Avant d'avoir identifié contre-insurrection. Il faut identifier en haut. Pas comme il y a il faut identifier contre-insurrection. C'est quoi? C'est la guerre sans fin, guerre sans terme, guerre qui utilise tous les moyens, psychologiques, biologiques, culturels, politiques, militaires, tous les moyens utilisés. Mais le Congolais n'est pas au courant. Parce que vous voyez, c'est que, voilà, c'est la démocratie. Congolais a désarmé. Y compris par, dans le niveau de présidence, désarmé. Parce que, vraiment, même, il n'y a même pas contre-insurrection. Une bonne partie, il est vide. Alors, si vous identifiez contre-insurrection, il faut y voir qui font la contre-insurrection dans le Congo. C'est ça la grande question. Qui font la contre-insurrection dans le Congo? Bien sûr, vous avez un service secret. Tondi dans le Congo. Il n'y a même pas une demande dans le Congo que tous les services secrets étrangers vont quitter le Congo. Ils ont été. Parce que contre-insurrection, ils ont en marche dans le Congo. Ah. Et que Bissou va Congo, les photos, la Moukanango, il faut comprendre. Ils ont un fondamental. Donc partout, si il y a contre-insurrection. Sauf en Angleterre, il y a contre-insurrection. Drogue, ou bien il y a crack, il y a contre-insurrection. Peu importe combien de jeunes sont dans le monde, crack et les moiratés. Pourquoi? Parce qu'il faut déstabiliser l'Afrique. Immigration. Congolais, Africains, ils ont besoin de la clandestinité, c'est impossible. Afrique est laissée Angleterre. Afrique et l'Est France, là c'est l'Afrique qui a créé l'Europe moderne. Au début, Belgique, a créé en 1830. La création d'un monde colonial, c'est la colonisation de l'Afrique. Quand je dis colonisation, il faut aucun délai à la conférence de Berlin, c'est bien avant. Van Noir en États-Unis, c'est avant la conférence de Berlin, non, c'est la colonisation. États-Unis, création coloniale. Canada, création coloniale. L'Angleterre moderne, le Royaume-Uni, création coloniale. Unification allemande, création coloniale. Donc, colonialisme est la catégorie économique de la plus haute importance. Il faut comprendre. Et vous permettez de mesurer la gravité de la lutte à l'indépendance dans le Congo. Il faut comprendre que c'est le point de départ, il y a succès à Bomengo. Tous les rêves occidentaux sont basés sur le colonialisme. Sans le colonialisme, il n'y a pas d'Australie, il n'y a pas de Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de Coupe du Monde, ni Coupe d'Europe. Donc, population européenne en général, ça a intérêt statu quo. Et l'Afrique reste à sa place. Ils ont intérêt à ça. Qu'on les fait comprendre en haut. Donc il y a une lutte entre le passé et le futur. Pour le futur. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser du colonialisme, y compris le blanc. Il faut pas joindre le combat contre les colonialistes. Parce que le futur et l'humanité se dépendent en haut. Parce que le colonialisme, c'est dangereux pour l'humanité, c'est dangereux pour l'environnement. Les lots, l'environnement, ils ont détruit, ils ont donc en chute libre et ils ont menacé le futur et humanité pour l'humanité. Aujourd'hui, on a été fait parce que voilà, l'homme a détruit l'environnement. Non, c'est faux. Colonialisme, capitalisme colonial, ils ont menacé l'environnement. Pas l'homme en général. Mais sur les paysans, les travailleurs africains, ils ont menacé l'environnement. Ils ont une importance en soi. Donc, bon, il y a beaucoup de choses tout court là-bas, mais on voulait juste les lots, tout le monde a discussion sur contre-insurrection. Tout le mouvement, tout ça va pouvoir m'aider sur contre-insurrection, avec beaucoup de détails, mais les lots, ils un peu général. Tout le monde va comprendre que contre-insurrection, ça a toujours existé dans le Congo, pendant la colonisation, mais j'ai en pleurs, il y a 6 cas, depuis le 4 janvier 59. Ils ont la journée des martyrs, hein? C'est une journée. Hein, par laquelle les Occidentaux ont pris conscience que les Congolais s'est réveillé le 4 janvier 59. Donc, sera la Mougi pour faire quoi? Il faut que vous ayez la Pongi, sera besoin de la Pongi, il faut qu'empêcher à se mettre en marche, il faut qu'empêcher à se mettre debout. Donc, politique, il y a 59, de quelle indépendance, le Mouba arrive, non, ce type-là, a dans le même sens que le 4 janvier 59. Parce que Réveil est banni ou non? C'était que le mandat précédent est banni le 4 janvier 59. C'était la première fois que Bèche va se rendre compte que le Congolais peut se battre au niveau national. C'est-à-dire que ça a raté que Révolte va pénétrer dans un coin,
révolte à Matétil dans un coin. Non, à partir du 4 janvier, le colonisateur européen, pas seulement le Belge, occidentaux en général, j'ai conscience que le Congolais peut se battre à l'échelle nationale et voire internationale, c'est quoi. Faut qu'on empêche. D'où la contre-insurrection. Donc, si il y a contre-insurrection, c'est dans le Congo. Moutoyoba est un défi qui a tiré poison dans le défi de Lumumba. C'est la contre-insurrection. Opération Barracuda, pendant que le Kasai rébellion dans l'Est du Congo. C'est la contre-insurrection. Il y a plusieurs opérations, tu même pas comme on a mais c'est bélé. C'est bélé. Donc, mais ça, c'est dans le point de l'œil en Guana. Je crois qu'on a Nagosuka Awa. Mais ça, c'est qu'il y a Souka, en fait, après on a dit ça. Et ça, que, comme je dis, on va revenir sur ça. Et ça, c'est un sujet très vaste. Il y a un rapport que tout ça, qui meeting sur Make Belgium Pay. Hein? La Belgique doit payer. Hein? Belgique a fouta. En anglais, c'est une bonne traduction en anglais. Mais Belgique a fouta. Réparation. À la paix pour la vision. Belgique a fouta. Les campagnes internationales de relancer. Donc, on a un meeting à Nibosso. Le 1er août, tu as un Bruxelles, Wind Square. Donc, on va revenir ici avec plus d'informations. Tout ce qui va congolais, partout ce qui va adhérer à la campagne, yo. La Belgique doit payer des réparations au Congo. Belgium must make Belgium pay reparation. Tu as un peu la Belgique a fait des réparations au Congo. Tu as un peu la réunion sur Tolobaka. Parce que c'est un point de départ pendant créer tribunal international pour le Congo. Parce que je ne suis pas un Congolais, et ça, parce qu'on n'a pas obtenu justice pendant le génocide à Léopold II au Babèche Bassala. Donc, ils ont une fait continuité. Il y a un génocide, voilà. Donc, ton pendant le génocide, voilà, après, tu le reste. Mais il faut tout gagner le monde entier que la Belgique doit nous payer. Cause n'est pas juste. Et que les Congolais, si vous avez un Congo, vous avez un Congo, il faut tout la réparation. Parce que c'est nos richesses. Faisons, on n'a pas besoin. On a besoin de développement. Le boy aide au développement. On n'en veut pas. Tout ce qu'on vous demande, c'est que ça vaut mieux en abyssaux. Et nous aussi, nous allons nous développer. Vous voyez? Donc, vrai, nous devons aligner amitié en abyssaux, abandonner la réparation. Demande la réparation. Posons-nous partout. En tout cas, merci à Ming Nabato Balani. Merci surtout à technicien, donc à grand technicien Congo Synthèse. Tout le monde est en retard. En tout cas, j'ai même oublié de présenter mes excuses parce qu'il fallait tout maîtriser, technologie, moi, nous, mais en tout cas, la Congo Synthèse, tout est possible, donc résoudre en haut, donc c'est bon. En tout cas, merci à toi. On va revenir le vendredi prochain et comme ça, tu continues à développer ma contre-insurrection. Comme d'habitude, panza, liker. N'a mon 1000 vues, 10 liker, ça manquait. 1000 vues, car 10 liker, c'est pas juste. Donc, 1000 vues, 1000 liker, donc partager. Ok, allez. Bon, chica, madame. Ouais.